Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 2002 à Monza, le temple de la vitesse. Et comme on peut le voir ici, du coup, le temps va pas être au beau fixe, hein, donc la ville, il va falloir la régler en mode pluie. Je vais juste faire une petite pause justement pour régler, évidemment vous le savez, le paramètre pour la pluie. Ouais, du coup, on va se retrouver et on va lancer la qualification. Donc, donc niveau des réglages, alors là ça va être compliqué parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre. L'avantage c'est que là on pourra partir directement en pluie ou intermédiaire. Je vais prendre les intermédiaires, hein. Rien à faire. Je suis déjà suffisamment à voir pendant la course de Belgique. Du coup, alors par contre ce qui est sûr c'est que l'appui aéro là il va être bas. Les rapports de vitesse vont être plutôt hauts. La suspension je vais tout la mettre tendre. On va faire sortie des stands. Et on va démarrer, on va voir comment ça se passe. Et on est ready. Allez, c'est parti pour la qualification de Monza. Il fait super moche. Je pense pas qu'il ait calmi hein, pendant la course. C'est vrai qu'on a eu, pas de chance en Belgique parce que franchement, quand j'y repense, je me suis dit mais oh là, j'aurais gardé les intermédiaires tout le temps. En fait, j'avais toutes mes chances. Même voir les slicks, j'aurais fait le pari en slick, j'aurais galéré évidemment en début de course, mais vraiment à la fin de course j'aurais vraiment pu tout gagner grâce à ça quoi. Alors par contre ce qui est certain c'est que je vais mettre l'anti-patinage en haut parce que là avec la pluie bah, sinon on va partir en tête à queue tout le temps. Alors on s'est fait bien rattraper hein, au championnat pilote constructeur. Alors, en tout cas, pilote, constructeur, c'est mort depuis longtemps, mais... Du coup, là, il nous reste 3 courses. Normalement, il devrait rester Monza, il y a sûrement... il va y avoir peut-être le Grand Prix de... Indianapolis, peut-être. Je sais plus, on l'a fait, Indianapolis, j'ai déjà oublié. Enfin, en tout cas, il nous reste le Japon, ça, c'est sûr. Qu'on a du mal à monter en vitesse. J'ai carrément loupé la chicane. Enfin, j'ai freiné vraiment trop tôt. Pas au bon moment. Mais je pense qu'on va peut-être pouvoir faire un temps. On va voir. Hein. Je sais absolument pas comment je vais finir. À mon avis, on va finir super loin. Hein. Parce que vous avez vu la dernière fois sous la pluie, à chaque fois qu'on est sous la pluie, on galère complètement. J'ai pas l'impression que ça... Oula. J'ai pas l'impression que ça va être différent cette fois-ci. Et le tête à queue. Il faudra retenter le tour juste après. Et re-tête à queue, décidément. Donc, les vibreurs à proscrire. Ouais, j'ai vraiment pas pu faire de vidéo pendant un bon moment, vu que j'étais malade. D'où le décalage, en fait, fait avec une vidéo multijoueur hein, que j'avais en stock. Qui, normalement, aurait dû avoir lieu avant... Après celle-ci. Et au moment où je vous parle, j'ai l'impression d'être encore malade. Décidément, c'est vraiment l'hiver, là, c'est ignoble. Et allez, encore une fois, la faute. Bon, c'est sûr qu'on va pas la pole. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'avec deux têtes à queue, je finis à combien de secondes, là, du meilleur tour? 36, 43, 44? Ouais, non, je suis quand même à 10 secondes, ça va. Je pensais que j'allais faire un temps correct, même avec. Alors, les points de freinage... 100 mètres. Normalement, c'est pas ce qui s'est passé aux 100 mètres dans la réalité, mais bon. On va dire que dans le jeu, ça passe. C'est pour ça qu'on a pas trop de problèmes de framerate.
Les deux virages lents, enfin les plus lents du circuit quasiment. Bon, en tout cas, c'est mieux pris que tout à l'heure. Voilà, attention. Ouh, la sortie un peu large. En plus, j'ai plus de chance là. On a déjà grillé un joker juste avant. Et on est autour en 1.30, Paul en 29, bien sûr. En 33, et on est 11e. 11e. Pas super, hein, c'est pas super. Bon, on va faire échappe, fin de session. Oui. Et on va partir encore plus loin. Hein. Alors, on va voir le classement de cette qualification. Schumacher devant Barrichello, Montoya, Kimi, Raikkonen, Ralf Schumacher, David Coulthard. Button 7, Felipe Massa 8, Cassello 9, Alan McNish 10. Pas mal, pour une fois, les deux Toyota sont côte à côte. Nous, on est un petit peu plus loin. On est 16e, Takuma Sato 17. Marc Weber de la Rosa, ouais, toujours les Jaguars complètement à la rue. On va faire la course directement. Et on va bien sûr ne pas partir. Alors c'est marrant parce qu'il fait beau là, regardez-moi ça, je comprends pas. Là il fait beau. Alors les autres équipes sont en quel pneu? Ils sont en slick. Oh là là, mais je sais même pas en fait comment ça va se passer. Est-ce que je prends des slicks? Est-ce que je prends des intermédiaires quitte à les brûler dès qu'il va pleuvoir? J'en ai qu'une idée. Écoutez, on va tenter un pari, hein, pour une fois. On va faire comme eux. On va prendre les intermédiaires. Pendant que tout le monde devant a l'air d'être en slick, on va se faire ruiner en vitesse de pointe. C'est parti! Bon, il fait beau pour le moment, 10 tours à faire, on va voir si j'ai fait le bon pari ou si ça n'avait vraiment aucun sens de faire ça. Oui, attention au premier virage, ne pas dépasser. Oui, il y a une roue là, il y a une roue qui a volé. Oui, il y a eu un carton au départ. Je vois qu'il y a un aileron cassé aussi sur la Jaguar. Eh, le premier virage s'est pas bien passé, là. C'est rare qu'il y ait des accidents au départ. Et bien là on en a. Par contre, château droit, du coup. Oh, attention. Faut vraiment pas qu'il me dépasse parce que après, ça va être difficile de les rattraper. Bon, pour l'instant, beau temps. Alors, évidemment, j'ai le petit bug. J'ai le petit bug devant nous. Avec le parti un peu masqué. À cause de ça. Et ce qu'on espère, bien évidemment, c'est la pluie. Puisque ça serait ma seule solution pour pouvoir revenir sur eux. Ça bloque devant. J'ai déjà cassé mon aileron avant. Hein. Ouais, il est bien cassé. Au niveau du ciel, il fait super beau. Aïe aïe aïe, je me retire la faute. Il fait super beau. J'ai pas l'impression que ça se couvre pour le moment. Enfin, en tout cas, je vois au niveau du ciel, il y a un petit nuage, mais ça s'arrête là. On va voir, hein, justement, si ça s'assombrit au fur et à mesure. Ça serait vraiment ma seule chance. Je pars 18e. Oh là, mon dieu. Ouais, il a freiné avant, mais je vais reprendre au freinage ici. Ah bah, c'est cool, c'est moi qui ai équipé. Deux arroses en fond de... En fond de course. Alors, est-ce que ça va se couvrir? Ah, je vous le dis vraiment, ma seule solution, c'est que ça se couvre. Hein. S'il fait beau comme ça, on a perdu. On a perdu. Et j'ai l'impression que ça se couvre. Ouais, j'ai l'impression que ça se couvre, ça devient un peu gris. Ah, ça serait bien, ça serait bien.
Bon, mon coéquipier qui me passe, mais ça c'est... un peu logique. Et si il pleut ! Et il pleut, c'est génial ! Pour une fois, je suis content de la pluie. Et alors du coup... Alors il pleut peut-être, mais pour le moment, ça change pas grand-chose à ma position. Ça se trouve, les pneus n'ont aucune incidence dans ce jeu. Si, quand même, on l'a vu, hein, les pneus ont une incidence. Alors, c'est mouillé sur la piste maintenant. Et avec mes intermédiaires, là, on va être refait. Je crois qu'il y a une voiture qui est au stand. Ah, c'est peut-être l'abandon qu'il y a eu en début de course. J'ai pas fait gaffe. Ouais, il commence à y avoir des traces et tout. Alors, en slick, ils vont commencer à galérer, là, les gens. Et ouais, ça va peut être la même. Et par contre, le... Oh, la Frenzen qui... Frenzen qui m'oublie, hein. Ah, par contre, maintenant, en vitesse de pointe, on est beaucoup plus rapide. Ouais, il y a du pilote devant. Ok, il reste encore 7-8 tours. On est dans le bon timing. J'espère que ça va pleuvoir tout le temps. Et une minardie de dépasser. Et devant, ça l'ouvre. Je crois que c'est les deux Jaguars. Non, c'est Minardi. Allez, en ligne droite. Oh là, en ligne droite, ça part super bien. Oh là, je l'ouvre. je passe entre les deux voitures. Oh, ils s'arrêtent tous. Ils s'arrêtent tous au stand, regardez. Sur la ligne, sur le circuit. Ça va me permettre de prendre... Je suis déjà dixième. On ressort devant les deux Ferrari. Les 0-5 qui ont été assez courts d'ailleurs, j'ai l'impression, pour les pilotes devant. Bon, c'est vrai que j'avais pas mal de retard, mais... Alors par contre, peut-être que c'est en pneu pluie, hein. Moi, je suis qu'en intermédiaire. Derrière, les Ferrari ont l'air rapides, mais elles ont l'air bloquées aussi, donc... Regardez la distance, là, qui s'accroît. Un trou lit, on va le manger. Ils sont pas arrêtés. C'est un des beaux dépassements. Ouh là, un petit peu dans l'air quand même. C'était un beau dépassement quand même. Alors, ils vont s'arrêter. Ouais, je le vois sur le circuit en haut à gauche. Voilà, tout le monde s'arrête. Et du coup, qui c'est qui est en tête? Eh ben, c'est nous! Et on repart devant une Ferrari, c'était Barrichello, hein, qui s'est arrêté en dernier. Pour l'instant, c'est parfait, hein. Le timing est parfait. On est pas mal. Bon, maintenant, est-ce que je vais pouvoir garder l'avance que j'ai ou est-ce qu'ils vont commencer à revenir? L'avantage que j'ai, on va dire... Que j'avais, que je n'ai plus. Oh, les deux Ferrari, on est repassé juste devant. J'ai l'impression que j'avais, c'est que j'y vont pas prendre l'aspiration, mais en fait, maintenant, si. Maintenant, ils vont complètement me la prendre, l'aspiration. Putain, c'est pas possible. Oh, tout le monde va me passer. Oh, je fais deux erreurs, au moins, il faut pas. C'est au moment où c'est critique. J'ai l'impression, en plus, qu'il commence à moins pleuvoir. Ah, par contre, s'il pleut moins, je vais encore avoir l'avantage. Je vais quand même avoir l'avantage, puisque s'ils sont en pneu full wet... Alors, je sais pas s'ils sont en intermédiaire ou en full wet, par contre. Et là, il n'y a déjà plus de pluie. Ça s'est asséché en l'espace de quelques secondes.
Là où c'est un petit peu n'importe quoi des fois. Ok, il reste 5 tours. Enfin, ouais, 5 tours, c'est ça. Bon, ils vont... la ferraille qui rentre encore. Ouais, c'était Kimi pour passer. Bon, là, j'ai oublié de freiner dans les derniers instants. Allez, j'ai tapé un petit peu, là. Attention, en mon aileron. Et en termes d'accélération, c'est pas trop ça. J'ai l'impression qu'il refait beau. Je suis incapable de dire s'ils sont en intermédiaire ou en pneu de pluie par contre. J'aimerais conserver l'aspiration sur lui, mais la Ferrari est vraiment trop rapide. Par contre, la McLaren, elle est encore plus. Ah ouais, non, je pouvais pas tenir, c'était impossible. Il y a Williams qui a essayé de m'avoir. Alors là, à l'inverse, les pneus slick, c'est peut-être parfait. Mais j'aurais pas eu trop de temps, je pense que j'aurais été englué dans le trafic. J'ai l'impression que je suis un poil plus rapide vers la fin, un peu par rapport à eux, mais vraiment léger. C'est vrai que j'ai une boîte assez longue aussi, hein. J'ai pas une énorme accélération. Et je dis ça, il me dépasse 3 secondes après. Oh, j'ai essayé de retarder au maximum. Premier Barrichello. Ah donc c'est Schumacher que ça a arrêté. Je sais pas combien il est, Schumacher. Il pleuvra plus. Je me demande si je rattrape pas un petit peu le McLaren devant. Je sais pas si c'est Raikkonen ou pas, mais. Ah si, je suis à 310. Je reviens pas vraiment en fait, je reviens vraiment dans la ligne droite mais c'est tout. En fait elle est... Ah ! Et voilà, la faute. J'allais dire elle est assez longue pour aller très très vite, mais le temps d'y arriver à cette vitesse c'est trop tard quoi. Voilà, je suis quatrième maintenant. Non ! Ouf, c'est une Sauber qui est cinquième. Oh là, et la Ferrari qui arrive, la Ferrari qui arrive. Oh, je suis en train de tout perdre là. Je suis en train de tout perdre dans l'espace de deux virages. Et le problème que je vais avoir, c'est que la... Ouais, bah oui, c'est que la Renault aussi est 10 fois plus rapide. Je vais pas rentrer au stand, ça sert à rien, mais ouais, je devrais. En plus, j'ai en train de donner l'aspiration à la Ferrari, c'est pas ce qu'il faut.
je tirais tout droit. Et je repasse devant la sauvegarde. Pourtant, je pensais vraiment que j'allais passer. J'ai pilé, mais à la fin, ça tirait tout droit. Ouais, bon, du coup, ça me permet de repasser quatrième, mais c'était pas trop mérité cette histoire. Je bloque, mais j'ai pas trop le choix. C'est un bouchon là, à mon niveau. Ah, il reste 2 tours. Hein. Faut vraiment que je gère. Non! Ah, j'ai bloqué que Schumacher en plus. Et voilà, le vibreur qui m'a envoyé dans le décor. Décidément, j'ai tout perdu à cause des vibreurs moi. Allez, on reprend un peu. Ouais, c'est bon. On reprend. Oh, si je peux reprendre mes places, ça serait parfait. On donne l'aspiration à la Sauber qui, du coup, est en train de récupérer la position. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer derrière. Et la Ferrari qui récupère une place du coup. Allez, c'est le dernier tour, faut pas faire de bêtises, c'est pas le moment. C'est pas le moment, Roger là. Au freinage intérieur, oui. Oh, oh, ça passe. C'était limite. Il faut que je garde la voiture d'écart entre nous deux là quand même. C'est vrai que je donne l'aspiration à la Renault, tant qu'à choisir. En tout cas, Barrichello va remporter la course. Et ce qui est bien, c'est que Renault marque des points. Mais Sauber aurait presque pu marquer des points aussi. Ah non, putain, c'est la Ferrari qui récupère les points. Il y va, je suis obligé de l'ouvrir. Ouf, 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 quatrième. Oh, j'ai réussi, je sais pas combien. Hein. Je sais même pas où il était. On a fini à... On a fini à ouais, un dixième, 12 centièmes. Et Trulli qui marque des points, d'ailleurs. Ah, c'est dommage, c'était Massa hein, qui était bien placé. Massa était 9e. Ah, Massa qui a tout perdu, par contre, sur la fin. Ouh, bah dis donc, cette course, bah du coup je sais pas quel était le mieux finalement. Est-ce que le mieux c'était pas de partir en slick? Mais le problème c'est qu'en slick sous la pluie, je pense qu'on aurait vraiment galéré. Mais il y avait quand même plus de longueur de course sur le sec que sur la sous la pluie. Et ça m'a quand même permis, grâce à leurs arrêts, de marquer des points. Sans leurs arrêts je gagnais pas. Hein. Enfin je gagnais pas, je marquais pas des points. Alors du coup au championnat. Pilote, bah on a récupéré quand même, on va dire, un petit point. Du coup, il y a 7 points d'avance pour nous. Barrichello, 3e. Et Williams, voilà. Et du coup, bah, c'est les deux pilotes Renault qui ont marqué des points. Trulli et Jenson Button. Au classement constructeur, bon, bah, on est toujours, toujours 2e. Par contre, voilà, Renault marque un petit point de plus, il reste 5e. On aurait pu voir les points d'une autre équipe lors de cette course, mais finalement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bah, évidemment pour les 2 dernières courses du championnat. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.